Eh bien salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ce samedi 7 janvier 2017, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une invasion matinale, j'ai envie de vous dire à quelle heure il est, 10h30, petite invasion, on va voir ce qu'on trouve sur les maps, je vais surtout répondre un petit peu aux commentaires qu'il y a eu sur les différentes vidéos, comme vous le savez, bon, on essaie de tourner lorsqu'on peut, ok ça c'est du Spectrum, ça va être plus que chiant en fait, ça va me servir à rien, même si maintenant la petite est moins longue, enfin est plus longue à récupérer. Ça reste quand même plutôt chiant à tuer, sans se gâcher beaucoup de munis pour pas grand chose. Alors on voulait faire ça, ceci on va mettre sur des Hellstorm, là on est bien sur les PLT 20-28, on va partir sur des petites roquettes de précision. Comme ça on sera sûr, ok, on a quand même lui qui nous suit, alors après s'il nous suit vraiment on peut jouer mais je pense pas. Ah, au-dessus peut-être là, ah, un Tartarus. Là un Tartarus tu vois on commence à causer un peu, c'est sympa, hop. Non, tu vas partir dans l'autre sens. Mais respectez-vous un minimum, je sais pas. Hein. Ah bah tant pis, ce sera lui qui va prendre alors pour les autres. Hein. Tant pis. Osef. Tant pis. Tes potes sont pas sympas avec toi. Ah j'ai pas rechargé ma config. Ah je suis tellement mauvais. Ah j'ai pas rechargé la config tank. Dommage. Ça va nous permettre de revenir et de répondre pour mes commentaires. C'est pas, je viens de reprendre Dark Orbit, je suis full Iris, sauf Apis 2, CF3, etc. Donc, toi, t'es full que dalle, quoi. C'est full pas grand chose. Ah merde, je suis con, en plus, on avait du Ceprom que j'avais envoyé. Oh là là, quel con. Oh, ça veut dire qu'on lui a donné du Ceprom, ça. Ah bah super, tiens. Super, on lui a fait du Ceprom. Alors, j'ai 100 calories fermées en une semaine avec ta technique, j'ai déjà le Rex et j'aimerais avoir un conseil de quoi acheter. J'hésite, Logfile, j'ai déjà 10 points d'avant. En fait, les gens, soit vous regardez pas mes vidéos, soit vous êtes sourd. Un des deux. Parce que je pense que je le répète, je pense sur toutes les vidéos, je vous dis que le plus rentable aujourd'hui sont les clés de butin. D'accord? La Zeta en double G ainsi que les clés de butin. Je peux pas faire mieux, les gars. Là, franchement, c'est exactement ce qu'il faut que vous preniez, des clés de butin. Faire la Zeta en double G pour récupérer Logfile clé de butin. Voilà, c'est aussi simple que ça, parce que via l'assemblage, vous pouvez quasiment tout craft aujourd'hui. Hein, donc c'est quelque chose qui est très intéressant, que dès où on met en place l'assemblage, maintenant il serait peut-être temps de l'utiliser un peu, donc vraiment il faut faire que ça, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, c'est vous ne faites absolument que ça. Là, le petit Vengeance qui va venir avec nous, là, je pense. Ouais, tes potes, ils veulent pas te défendre des masses, hein. Ta gueule. Oh non, t'es sérieux? Tu veux faire quoi? Tu vas rester 2 secondes? Ah bah non, on va prendre toi. Ah, je peux pas te loquer. Oh, j'ai peur. Oh, dommage. Oh, s'il meurt quand même. Ok, nice. 9, 5, 6. Ok, bon, on va mourir, je pense. Hein. Ah, il y a un petit bouclier instantané, c'est chiant, ça. Il y a un petit bouclier instantané. Ah, il y a une petite autre config derrière. Bon, ils sont 3, ok. Bon, c'est pas grave. Enfin, on va pas super bien jouer, on voulait absolument enchaîner les petits faibles. On a pas fait ce qu'il fallait, je pense. Après, on n'a pas en même temps les configs les plus adéquates au monde. Hein. Non, toi, tu vas pas bouger, je pense pas. Déjà, si on mettait le Rex, ce serait bien aussi. Hein. Quelqu'un pourrait me penser à mettre le Rex tout le temps. Tout le temps mettre le Rex. Alors, on se remet en config à nos. Et on va passer dessus. Salut, on fait comment pour toi aussi bien que toi? Je parle des FPS, il faut aussi des PC de gamer, j'en ai su un tel. Alors, en général, tu vois, pour te dire qu'on a une GTX 1070 6Go. Il y a des fois on va tourner 40, des fois 60 FPS. Voilà, c'est aléatoire, dès qu'il y a des événements c'est un peu bizarre. Après c'est des hauts, bon comme je vous l'ai dit je ne joue pas en tradé avec l'histoire de problème de record. Alors je peux y jouer en dehors, mais lorsque je veux record avec XSplit avec l'accélération matérielle ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est un peu chiant, voilà, tout simplement. Donc après il n'y a pas forcément de PC gamer, j'ai un Asus Intel i5, en fait ça veut rien dire. Tu peux avoir un Asus Intel i3 et puis faire beaucoup de dégâts, pfiou, j'étais parti sur le jeu. Tu peux avoir un Intel Core i5 et puis avoir, je sais pas moi, juste 1,7 GHz, donc ce sera pas terrible. Ça veut rien dire, tu peux avoir un i5 avec 1,7 GHz, un Intel Core i3 avec 3,2 GHz par exemple. Intel Core i3 sera plus intéressant. Et bon après, voilà, c'est à toi de voir ça. Ok, donc là, qui prend les dégâts sur quoi? C'est le Tartarus qui prend, non, c'est le Spectrum qui prend les dégâts. Il tape le QB, pas très fort je pense. Ah si, quand même un peu. Donc je serais d'avis pour... Ah, il y en a un qui se rajoute là. Oh là là là, ça se rajoute partout. Alors soit tu pètes, soit tu...
Un des deux. Ok, tu mets la petite. Bon, on va voir suite. Tu mets la petite. Ok, bon, on va voir si les gens veulent nous suivre un peu. Notre ex est toujours en mode protection. Nice. Tu vas fuir 100%, hein, parce que maintenant que t'es avec tes potes, c'est ça. Hein. C'est un peu le délire d'être avec ses potes. Ah bah oui. 100% vous allez fuir. Ouais, ça c'est clair net. Par contre, toi t'as plus la petite qui va rester, donc tu vas fuir aussi, c'est ça. Ouais, ça c'est sûr aussi. 300%. Et l'autre il va jouer sur sa vitesse. Oh là là, c'est affreux. Pourquoi ils sont trois comme ça? Leave me alone. Ah, c'est chiant. Ah, c'est très chiant. On va se barrer de ce mob, ça me casse les couilles. Ça me saoule déjà. Mec, il joue en Tartarus, quoi. Niquez bien vos meilleurs, sans déconner. C'est pas une vie de jouer en Tartarus, c'est pas possible. Ça devrait pas exister, cette merde de vaisseau. C'est pas une bonne vidéo comme d'hab, j'aurais une question. Je suis full F3, Iris, et j'ai 30 minuteries. Tu me conseilles de faire quoi la suite? Merci. Je sais pas quoi dire. Réfère-toi aux vidéos. Si je me trompe, il faut acheter pour son Rex les matériels level 3. Une question, il coûte combien collecte auto level 3? Aucune idée. Aucune foutre idée. Pas te dire de conneries. C'est peut-être avec les réducts, je crois que c'est 29 500, quelque chose comme ça, ou peut-être moins. Honnêtement, je sais pas, quand ton Rex sera level 8, tu pourras voir directement le prix en fait. Enfin, je peux pas te dire. Salut par la super vidéo, les clés noires sont-ils disponibles avec un peu moins avec des SPMS? Merci d'avance. Encore une fois, aucune idée, mais je pense que non. Théoriquement, non. C'est pas disponible. Après, bah, lorsqu'il y a les clés obsidien, je t'invite à aller dans Uridium et puis essayer de voir si tu peux. Si tu peux les acheter via des SMS, tout simplement. Il y a certaines questions que je n'ai malheureusement pas la réponse, parce que payer par SMS, c'est très rare en fait que ça m'arrive. Donc, sachant qu'aujourd'hui, tes forfaits ne sont plus, vraiment comme ceux de l'époque, hein, dans le sens où à l'époque, tu avais par exemple un forfait Orange qui coûtait 20 euros. Et donc, si tu n'utilisais pas tes communications et tout, tu avais quand même 20 euros. Et le mois d'après, ça se cumulait pas, ça s'enlevait. Donc, du coup, tu utilisais tes 20 euros dans des jeux. Aujourd'hui c'est différent, donc j'utilise très très rarement les SMS. Map maudit toujours active, j'ai eu le temps de prendre une petite photo, ça fait plaisir de voir 13KX4, mais bon voilà. D'accord, et bon voilà quoi. C'est bien, après 13KX4, tu sais que tu fais une ADS, tu les as quoi, donc... ou alors si tout pas de passer beaucoup de temps et essayer de jumper dans la map maudite. Je suis pas certain. La map maudite aujourd'hui n'est plus rentable... était rentable quand avec le Spirit tu pouvais utiliser ton apti. Aujourd'hui ça marche plus comme avant, hein, sinon les gens ne feraient absolument que ça de la journée. Donc ouais, la map maudite c'est en plus... Ah merde, je suis débile. Ah, il y a un Tartarus juste en dessous. Oh là là là. On revient tout de suite. C'est pas pourquoi ne pas reprendre la série Dark Orbit de A à Z, c'était cool. Alors attends, toc, on va se mettre comme ça. Parce que c'est un Tartarus quoi. Là mon gars. Voilà, un petit 120 000 XP qui part comme ça, là, 1650 points d'air, ça fait toujours plaisir. Toujours cool. C'était cool, très pratique, même pour ceux qui ont déjà un peu d'expérience dans le jeu, GG pour le F4. Alors, Dark Orbit 2Z, j'ai fait le tour. Je pense que vous regardez dans les vidéos juste en dessous. Quand vous allez sur la chaîne, vous avez tout en bas le bazar de Paradox. Il y a les Dark Orbit 2Z qui sont dedans, dans une playlist. Et j'ai quasiment fait le tour. Il n'y a pas grand chose d'autre. Après, quand il y a des nouveautés, maintenant je les fais en vidéo le jour même ou dans les jours qui suivent. Mais j'ai pas grand chose d'autre à rajouter franchement sur le jeu actuellement. Ah, que ça achète le matériel Rex pour ton vaisseau s'il te plaît. Ouais, je devrais, j'attends qu'il y ait des réductions de la part de Deo, je vais pas le payer en prix fort en fait. Ah, ils feront des réductions, on va attendre les réductions tout simplement, on va pas se faire chier à payer le prix fort. On en a pas besoin plus que ça, donc c'est pas très grave. Pourquoi tu as tellement besoin du premium? Alors, parce que sans premium déjà tu ne joues quasiment pas à Dark Orbit, je suis désolé de t'apprendre ça, mais oui. Même si tu as des bons de réparation pour ton vaisseau, tu répareras immédiatement sur la base. Tu vas réparer, on va y arriver, au niveau du portail ou bien sur place, eh bien, il faut dépenser de l'uridium. Ça coûterait aussi de l'uridium à chaque fois que tu veux réparer ton Rex. Donc du coup, c'est très chiant. Hein, un coût de 350 uridium, c'est vraiment très 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 relou. Ok. Je pense qu'il y passe, mais je suis pas sûr. Il y a son pote avec. Alors, je sais pas s'il a encore des configs ou pas. Oh, s'il va y passer, je pense 100%. Nice. Et ton pote, je pense qu'il y passe aussi. T'y passes là, non? T'y passes. Dis-moi que t'y passes, oui. Bon, et toi, par contre. Tu veux pas nous suivre très longtemps. Forcément, l'Ocubi, donc voilà.
Très clairement, le premium sans premium aujourd'hui, tu ne fais absolument rien. Tu as une deuxième barre que tu as là, tu as une barre supplémentaire qui est juste là. Enfin, bref, tu as énormément de choses. Donc il faut t'en servir. Donc en fait, on est quand même parti sur du full spectrum, malgré qu'il a été nerf. Hein. Les gens sont toujours voilà, sur du full spectrumus. Donc t'es là, tu fais ok, bah, y a plus que ça. Ah mais ils ont tous les aptis spectrum quoi, qu'est-ce que tu veux faire? C'est que ça! Tu te bats que contre du full spectrum quoi, c'est... Voilà, les mecs ils sont tous en spectrum. Alors d'accord si tu veux des hauts à réduire le délai, mais là c'est insane sans déconner. Les mecs ils font tous du truc en spectrum, qu'est-ce que tu veux faire? Si vous augmentez le spectrum d'un côté, mettez des trucs de balance de l'autre parce que... Au jour d'aujourd'hui, bah, tu fais pas grand chose contre un spectrum quoi. C'est. Ah si, il y en a certains qui vont me dire tu prends le Spirade. Ouais mais s'ils sont 6 ou 7 sur toi le Spirade, tu te fais remonter quand même quoi, donc c'est un peu chiant. Vraiment très très chiant même. Donc bon. Toy Paradox pourrait faire une vidéo sur les points de l'arbre de compétences. Pour PvE s'il te plaît. Si tu regardes bien, je l'ai fait déjà. Tape Paradox arbre de compétences, tu vas le trouver. Très clairement j'avais fait PvE, PvP, ainsi que box. Donc tu trouveras tout ce qu'il te faut. Dedans. Donc lui il a utilisé son opti tout à l'heure. Hein. Et d'accord. Donc du coup il va fuir je pense, non? C'est ça le délire ou pas? Ah il a 2 speed? Non, c'est une blague. Il a 2 speed? Non. Le mec a 2 speed réellement. Et il a encore l'opti? Je crois qu'il l'avait nerf cette merde. Ils ont pas dit qu'ils avaient nerf la petite, ils viennent de l'utiliser tout à l'heure il y a 30 secondes sur le QI. C'est quoi ce délire? Mais depuis quand? Ça fait déjà 3 minutes là qui s'est écoulé entre le moment. J'y crois pas trop là, il y a pas 3 minutes qui se sont écoulées, hein. Ça c'est clair et net. Ah, toi tu vas venir t'en mêler pour que dalle, il est pas sérieux lui quand même. Mais sérieux, mais sans déconner. Vous avez pas de vie quoi. Ça y est, il a plus d'apti. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Il y a pas grand chose hein. Putain, mais c'est dingue ça! Ouais, tu fais quoi là? Je peux faire que dalle! Ils sont 3! Ah, oh, c'est affreux! C'est affreux, c'est affreux! Ils t'ont dit qu'ils ont nerf le Spectrum, c'est toujours la même merde quoi! C'est. Le mec, il te le met une fois sur le QI, tu répares au portail, tu reviens le voir directement au caillou, il le remet! Merde, sans déconner, ça fait pas 3 minutes là, je suis désolé, il n'y a pas 3 minutes d'intervalle hein! Salut, je viens d'avoir mon Rex et je ne sais pas quoi prendre comme matériel. Collect Auto ou Kamikaze, merci. Attends qu'il soit level 8 et ensuite tu achèteras Collect Auto et Kamikaze, bien sûr. Salut, par là, j'ai acheté les 1320 clés de masque, bien sûr. Je m'étais renseigné avant, j'en ai ouvert 800. J'ai eu un jour 26 FK, 60 000 X6 pour l'instant. Des roquettes à foison, des Hellstorm, pas mal d'X4 aussi, mais pas autant que les X6. Mais aussi plein de quais du butin vert, environ 100, je pense. Je ne sais pas combien de Lockfight. Donc pour moi, c'est ultra rentable. Franchement, je te conseille de prendre ce pack aux gens qui vont vite venir full F4. Voilà, après, je pense que ça dépend des gens aussi. En fonction de la chance, tu n'en as pas. Comme nous, on n'en a pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller en petite map, hein, bien sûr. Au moins, on sera pas emmerdé. On aura peut-être moins de spectrum, ce sera plutôt cool. Moi, je suis full basique en F1 dans la team TDE, allié des S1, chapeau bas. Super. C'est bien. Qu'est-ce que je te dise? Heureusement, tu as eu le F4, sinon 10 euros pour des missions. Mort de rire, exactement. Bah ouais, c'est aussi le jeu. Hein. C'est pareil, quand tu joues au loto, des trucs comme ça, tu dépenses 2 euros des fois pour rien gagner, voire même plus hein, quand tu grattes avec des pochettes et tout. Donc. Ouais. Ok, là tu vois, là au moins on a des trucs de notre niveau. On a un petit Leonov et derrière on a un petit Piranha. Voilà. Protection de firme? Même pas. Oh, c'est triste. Pas de protection de firme pour toi. Triste tout net tout ça. On a du dévot là. C'était eux qui étaient en train de faire tout ça. On va voir au niveau du portail. Activer le Rex en mode. Ah non, il y a peut-être toi aussi. Quoi? What? Sans déconner, c'est quoi ce délire, hein? Ah ouais. Je me disais, merde, il y a une couille, là, quelque part. Visiblement, tu veux pas bouger? Ah si, tu nous as mis la petite. Hein. Ok, bon, bah écoute, tu nous mets la petite quand tu n'as plus trop de vie, c'est parfait, c'est magnifique. C'est formidable. Et tu tenais à ce boss mordon. Tu voulais le faire, celui-là. Il t'a porté malheur. Alors... C'est le barreur, sans faire exprès, je partageais mon écran en 2 fenêtres, mes FPS ont doublé, je ne comprends absolument pas pourquoi, donc si certains savent, merci de le partager. Tu as partagé ton écran en 2 fenêtres. Attends, je comprends pas là. Ah, tu as mis une fenêtre plus petite.
Bah automatiquement, si tu mets une fenêtre plus petite, ta carte graphique et ton pros ont besoin de moins travailler parce que l'écran est plus petit, plus réduit. Donc du coup, c'est sûr que tu as plus d'FPS. Hein, donc l'image par seconde se fait aussi en fonction de la taille de ta fenêtre d'écran ou de ton écran tout simplement. Donc c'est logique. Après doubler, ouais, comme tu le coupes en deux, ouais, c'est possible, possible. Pourquoi pas, Yopara, j'aimerais savoir ce qui serait plus rentable. Je me crave quasiment tous les designs de Gogo, mais je ne sais pas vraiment lequel choisir. Conseille-moi. Écoute, si t'as regardé la vidéo, je pense depuis le début, t'as bien compris que les Spectrum me cassaient les couilles. Donc très clairement, crave-toi un Spectrum, hein. C'est formidable. Le petit coffre ici du LF4, bien sûr, comme on veut tant en vidéo. Toi, t'étais en ZD1 ou pas? Ah oui, toi t'as bien fait, formidable. Oh, mais c'est qui tape un peu là, tous là? Oh! Spectrum, ça, enfin le Spirit, ça tabasse un peu là. Et sans déconner, je vois. Oh là 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 là. Mais en petite map, je meurs. C'est triste ça. C'est vraiment très 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 triste. Alors attends, on fait ça. On va aller voir, on va aller voir en 2-3. Je peux pas quitter là-dessus, bien sûr, cet après-midi, on aura une invasion spéciale, mais là, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. On ne peut, c'est juste. Je suis pas allé nulle part là. Je suis pas allé nulle part. Je crois que depuis que les Iris ne sont plus level 16, et je crois que ce dixième même Germany nous apporte pas grand-chose en plus hein, de base, donc c'est plus pour faire de la GG. Eh bien, bien simple light, hein. Puisqu'on n'est pas double boost ni rien, on sent bien bien la différence, bien sûr, c'est formidable. Hop, le petit bonne protection. J'ai même pas vu du coup ce que j'avais eu dans le coffre. Ok, de la munition, je me dis, parce que si j'avais eu un LF4, ça aurait compensé un peu, mais pas du tout. Ok, on va voir au portail. Oh, je croyais qu'il y avait quelque chose en dessous là. Voilà, juste devant nous là, non? Au-dessus, au-dessus, au-dessus. Là, au-dessus, au-dessus, il y a quelque chose là. Là, là. Là. Oui, formidable. Le bon Léonav. Ah oui. Ah oui, je dis oui, je dis oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, c'était du Spectrum, c'était du Liberator, du Piranha, pas grand-chose d'autre. Yo, par là, j'aimerais savoir ce qui est plus rentable. Donc, je l'ai déjà dit, pas de Spectrum. Cyber, c'est Orangino, déçu que tu aies quitté le clan. Je comprends pas ta réaction. Eh bien, tu comprendras. Soon, 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 soon. Alors, par là, tu veux pas que je vienne sur ton Discord Night Spirit? Comme j'ai dit, c'est un Discord clan, en fait. C'est pas un Discord pour tout le monde. Ça, faut que les gens le comprennent. Parce que sinon, après, c'est l'anarchie. Et c'est très bien si. Tout simplement. Toi, t'es juste là, par contre. Quoi? C'est un Rex, ça? Oh, c'est un Rex. Oh, c'est un Rex. C'est un Rex pour lui, ça. Ça, c'était un petit Rexounet. Le petit Rexounet, on va voir, vite fait en 2-4. On s'arrêtera là, du coup. J'ai acheté le design USA, mais j'ai pas le Goliath Champion. Est-ce qu'il se restera au marché dans l'année ou faut attendre un an pour l'acheter? Bonne vidéo. Alors, franchement, aucune idée. Aucune idée pour avoir ce Goliath chez les champions. Je sais qu'il était disponible pendant les 20 vagues de froid. Ils avaient fait tous les designs. Donc t'avais le G champion ainsi que le reste. Après, je sais pas s'il est disponible tous les jours en magasin. Je saurais pas te dire. Comme certains disent, ce sera disponible une seconde au magasin. Hein. Voilà. Mais non, honnêtement, je sais pas du tout. Hop là, parfait. On peut rester sur du X4 simple. Hein. Hop, nice. C'est beau ça. C'est formidable. Peut-être au niveau de la base, y a rien. On va faire base, point d'interrogation. Je vais remonter dans la Diego, après j'arrêterai là. T'as une petite erreur dans le titre, t'as mis 2x2. Ouais, ça avait été corrigé. Les coffres masques, ça va quoi? Je sais pas choisir entre les coffres masques ou les coffres noirs. Alors, masque, c'est un événement en fait, tout simplement. Hein. Y a pas grand chose à savoir. C'est juste que, comme les coffres noirs, ce sont des coffres qui sont payants directement, pas en Uridium, mais avec des euros. Donc, c'est pour ça que, en théorie, hein, je dis bien en théorie, parce que pas forcément vrai pour tout le monde. Ils doivent contenir plus de choses, hein, tout simplement. Après, on peut se rendre compte que c'est pas forcément tout le temps le cas, mais bon, on fait avec, tout simplement. Ok, on remonte vite fait à la base. J'ai pu répondre un petit peu à tous les commentaires. Oh là là, on voit que c'est le matin, hein. Excusez-moi. Et du coup, on s'arrêtera là. Bon, je referai une autre vidéo sûrement un peu plus tard dans l'après-midi en invasion. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.